Thank you.
transcrit par notre collègue Ad Zagata. Et donc, nous espérons que vous allez le reconnaître. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est que la transcription n'a pas été bien faite. Quand est-ce que tu reviens?
pas parler de ça. Oui, elles sortent à peine d'un concert, alors on va les laisser là. Madame la trésorière, oui. S'il vous plaît. Alors, Et un petit souvenir. Et merci encore. Bonne continuation, vous êtes magnifique. Merci. Merci beaucoup, Alice, d'avoir accepté ce petit interview. Alors, comment trouvez-vous le public à Madagascar dans la musique classique? Alors aujourd'hui, je l'ai trouvé très sage, mais en fait, j'avais déjà remarqué ça l'année dernière quand j'étais venue écouter le duo Ben Raccoon, qui jouait aussi à quatre mains. C'était un duo français. Et j'avais remarqué que la salle était pleine déjà, ce qui est très agréable pour un concert classique. Et en plus, le public est vraiment très très calme et attentif. Et aujourd'hui, j'ai ressenti vraiment la même chose, mais du coup en étant sur scène, ce qui est encore plus agréable. Certainement. Alors, comment s'est passé votre concert pour Julien? C'était là, mais... Non. Vos impressions suivant le track, par exemple. Je suis ravie d'être là et il y a toujours des choses à redire, à améliorer, qu'on peut faire autrement, mais je suis vraiment, vraiment contente de la manière dont on a profité du moment et dont on s'est vraiment régalé. Sinon, à la fin du concert, vous avez joué une œuvre malgache qui date un peu, je dirais. Comment avez-vous trouvé la musique malgache en tout? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Alors, ce morceau malgache, c'est Valérie qui a proposé, donc son ami Had, là, qui fait des transcriptions de musique traditionnelle, nous a donc préparé ce morceau spécialement pour ce concert à quatre mains. Et moi, j'ai trouvé assez difficile rythmiquement quand on n'a pas ça dans le sang, comme les malgaches, mais Valérie a été vraiment patiente, on l'a beaucoup écoutée, elle m'a beaucoup joué le thème, et ça rentre petit à petit dans la tête, dans l'oreille et dans la peau. Voilà. Mais je suis très contente d'avoir joué ça, on a joué la musique française dans notre programme, et donc je suis très contente qu'il y ait eu la musique malgache pour terminer le concert. Justement, en réalité, ça n'a pas été prévu dans le programme, mais c'était un petit bonus à la fin qui a été demandé par, je dirais, la salle. Est-ce que vous l'avez enlevé du programme au dernier moment? Non, pas du tout. C'est qu'au moment où on a construit notre programme, c'était déjà il y a plusieurs mois, on ne savait pas qu'on aurait la possibilité de jouer ce morceau de musique malgache. Donc on l'a rajouté après comme ça, mais le programme était déjà construit depuis plusieurs mois. Sinon, prochainement, quels sont vos programmes à Madagascar, sinon bien sûr en France aussi, mais dans le reste du monde? Alors, je vais seulement parler du 4 mains aujourd'hui, du duo avec Valérie Ravinson. On va jouer à Fianarantsoa le 8 novembre. Et sans doute en tirabé dans les premiers jours de novembre. Et on espère bien rejouer à Tana fin novembre ou début décembre. Voilà, en tout cas, profitez de mon séjour ici et du temps que je suis encore là pour rejouer le plus possible, puisque c'est un plaisir de jouer sur scène. Merci beaucoup d'avoir accepté ce plaisir. Avec grand plaisir, Billy. À la prochaine. À bientôt, Mantachon.